We're islands. Yukube Waiko Akus. Every Nando. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure sur Shadow of the Colossus. Et on va tenter dans cette vidéo parce que vous n'avez pas eu d'épisode pendant pas mal de temps quand même. Et vous savez que je ne suis pas un arnaqueur. Je vais donc tenter de vous offrir le colosse numéro 8 et le colosse numéro 9. Je rappelle qu'il y a en tout 16 colosses et pas un de plus, ni un de moins, ni un de plus. Donc on aura non seulement le 8ème vers lequel on se dirige, signe la moitié du jeu, la moitié des colosses, mais en plus de cela, on va essayer de faire le 9ème, histoire de se mettre bien. Comme ça, on pourra dire le prochain épisode, bah, on est au 10ème colosse, et le chiffre 10, c'est incroyable et c'est beau. On est donc parti, on va chercher un colosse qui apparemment rampe, voilà, dans les tréfonds d'une forêt, si j'ai bien compris. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, ça rampe au début, je me suis dit, voilà, c'est peut-être sur le coup vraiment un serpent. Mais pas du tout, je vois pas ce que ça peut être comme animal. J'en ai strictement aucune idée. On va voir, enfin, comme animal ou autre, ou insecte géant. Parce que ça peut aussi représenter des insectes, finalement. Je pense un colosse. Il y aura peut-être d'ailleurs un colosse araignée. Je ne sais pas du tout. Me spoilez pas, s'il vous plaît. Je rappelle que j'ai une équipe de modérateurs très compétents qui filtre vos commentaires. Donc, pas de bêtises. S'il vous plaît, ok. Et on a vu aussi à quoi ressemblaient les fruits qui nous permettaient d'augmenter notre vie maximale. Et par contre, on n'a pas encore vu de lézard à queue, si je puis me permettre l'expression, à queue blanche, voilà, qui permettent d'augmenter lui l'endurance. Ok, c'est pas ici, je pense que c'est par là, on va essayer d'aller par ici. Vous me confirmez ou pas les gars? On me confirme totalement, on me confirme totalement. Direction donc le 8ème colosse, vous avez vu comme c'est gigantesque. Alors, waouh, attendez. Hop. Je l'ai vu, vous l'avez vu, on s'est vu. On se rappelle, tu m'appelles, on s'appelle. Ok. Je suis un monstre. Je l'ai totalement eu, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On va voir. Non, ça ne fait rien en fait. Les lézards à queue noire ne font pas grand chose. Ou en tout cas, j'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. Je pense que ça ne fait clairement rien. C'est pas grave, c'est dommage, il faut avoir l'œil. Bon, c'était un... Et les aigles. Non, les aigles, ça va. J'ai pas envie de tuer les aigles. C'est pas gentil, ça se fait pas. J'adore les aigles. Faut savoir que j'ai toujours rêvé dans la vie d'être un aigle. Par où ça peut être? Parce que là, c'est assez terrible. Là-dessus, je ne vois pas de lézard à queue blanche. Les seuls que je vois ont la queue noire. Et ça me rapporte rien, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a une sorte d'achievement en fin de carrière, si je puis l'appeler ainsi. En tout cas, jusqu'ici, c'est un petit peu terrible. On continue, les gars. C'est pas du tout par ici. Ça, c'est de plus en plus loin. À chaque fois, c'est assez terrible aussi, ça. Non, le dernier colosse, je sais pas où on va aller le prendre. Attendez. Il y a une sombrerie, là. Il se passe une sombrerie. Il se passe quelque chose d'horrible. On va aller là-haut quand même. Sait-on jamais. Peut-être par ici. Évidemment, je suppose que j'ai fait tout le tour pour rien. Voilà, chose incroyable. On a une stèle. On m'a dit qu'il y avait des lézards à queue blanche près des stèles. Alors on va essayer de le trouver. Je sais foutu de ma gueule. Les gars, j'ai fait le tour pour rien. Je vous cache pas que je le vis très très mal. Là, je l'ai doucement. Je l'ai, cette fois-ci il a la queue blanche celui-là. Ça c'est un beau lézard, il a une très belle queue. Touché. Ok. Allez. Ok, ça a augmenté un tout petit... Alors par contre, c'est vraiment minime, hein, les gars. C'est une histoire de millimètres. Ça a peut-être augmenté un demi-millimètre. Là, c'est la merde, les mecs. Là, c'est la merde parce que... Bah, avec ces conneries... Hop, c'est pas ça. Hein, excusez-moi. J'ai tendance... Ah, pas de lézard. Ça y est, c'est trouvé. Mais je vois pas du tout comment on peut... C'est terrible, les gars. Là, c'est une histoire terrible. Agro, viens, s'il te plaît. Essaye de follow the move, comme on dit. Sois pas trop underground. On va y aller au tâton, hein, les gars. On va y aller au tâton. Et on va observer comme ça, sur la droite. On va bien trouver un point d'entrée. Ah, ça y est! D'accord! J'étais totalement passé à côté. Nous y sommes, les amis. Nous y sommes. Agro, je te lâche là, hein, frérot. On est d'accord. On est d'accord, mon pote. Tu m'en voudras pas, s'il te plaît. On est parti. Le lézard. Non, le lézard. Le colosse, pardon. Et par ici. Et c'est le 8ème colosse. C'est le colosse qui marque
la moitié du jeu. Et ça, c'est incroyable. Vas-y, faites-moi rêver. Je veux un colosse qui déchire, les gars. Je veux un colosse qui a la classe, si je peux me permettre de l'appeler ainsi. Attendez. Je pensais qu'il y avait un petit fruit. Je me suis dit, cet arbre est bizarre. On n'y est toujours pas. C'est à l'intérieur, donc on a fait tout le tour de ça. On a fait tout le tour. Vous voyez, tout est entouré de roches. On a fait tout le tour. C'est assez incroyable. C'est très, très beau. Par la même occasion. Ne cachons pas les mots. C'est vraiment très beau. C'est de la belle eau qu'on a là. On a envie de se baigner dedans. C'est de l'eau bleu clair. Regardez comme c'est magnifique. C'est magnifique. Ce jeu me surprend toujours. C'est ça, Shadow of the Colossus. C'est pas tant bien un scénario parce que il n'y en a pas vraiment, hein, mis à part un fil rouge où on doit sauver notre dulcinée. Oh mon dieu! Mais c'est un poisson! J'espère qu'il n'est pas très méchant, sinon je risque de prendre ce que je mérite. Il y a des poissons partout! Donc, voilà, il y a un fil rouge, bien sûr, mais scénaristiquement parlant, le jeu est très pauvre. Le jeu est poétique, par contre, artistiquement parlant. Et c'est ça qui fait que ce jeu est finalement assez incroyable, on va pas se mentir là-dessus. Alors oui, ça ne plaît pas à tout le monde. Et oui, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais, il faut l'admettre, ce Shadow of the Colossus, qui est un remake encore une fois d'un jeu qui a 13 ou 15 ans, est impressionnant et juste incroyable. Il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. Et être honnête avec les autres, bien évidemment. Voilà, c'était la petite parole sage, hein, si je peux me permettre l'expression. Donc, ok, on doit aller... Ben, on doit aller là-haut. Et pour aller là-haut... Je suppose que ce n'est pas... Ok. Ça va. Il n'y a rien de caché, hein. C'est pas très très compliqué. Faut juste faire le tour de la stèle et on est bon. Par contre, à quoi il ressemble un rampant? Je suis encore en train de chercher, en fait. Et vraiment, je trouve pas. À quoi peut-il vraiment ressembler? Un rampant, si c'est pas... Qu'est-ce qui peut bien ramper? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est intriguant. Ça donne envie d'en savoir plus. Ok. What? Ok. C'est un très très beau colosse. Alors je comprends pas une chose. Je peux venir ou pas ici? Ok, on va descendre. Pourquoi avoir fait un truc si grand s'il pourrait pas monter? Ce serait ridicule, on est bien d'accord. Qu'on se le dise. Non, 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 non. Ok, c'est bon. J'ai failli mourir, les gars, c'était terrible. Non. Putain, les gars, allez, arrête, arrête, s'il te plaît. Là, maintenant, tu montes, d'accord? Ok. Non. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette sombrerie? Ah, il monte. Ah, mais il monte totalement. Incroyable, mais vrai. C'est un colosse. Waouh. Monte totalement, ce con. Okay. Allez, allez. 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 La moitié de sa vie. Allez, allez, s'il te plaît. Qui ne se relève point. Aïe, il se relève. Aïe, aïe. C'était pas prévu. Ok, il a pas l'air très difficile, hein. J'ai compris la technique très rapidement. Il faut essayer de le prendre au dépourvu, si je puis me permettre. Lui tirer dans les deux papates. Et il tombe. Et je vais essayer de tomber avec, d'ailleurs, par la même occasion. Même si je perds un petit peu de vie, c'est pas bien grave. Ok, t'es où? T'es où, Coco? Je ne sais pas. Il est juste en dessous de moi. Très bien.
qu'à cela ne tienne, comme on dit dans le milieu. On va se mettre ici. Ok, on va lui tirer dans les pattes. Ça y est, il monte. Ça y est. Je l'ai touché deux fois. Allez, 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 on descend, on n'a pas le temps là, frère. Allez, allez, je m'en bats les couilles. Allez, on s'en fout, c'est rien, t'es résistant, Coco. T'en as vu plus. Non, 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 non. Ah. Voilà, allez. Aïe. C'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, allez, on remet ça. Jamais 203 divisé par 7 racine carrée de 12. On est bon. Oh là là, c'est terrible. En fait, faut que je saute en mode mais bas les couilles total. Ok, on monte deux étages. Enfin, on monte au deuxième en tout cas. Ensuite, on va se caler là-haut. Plus de l'autre côté, je la sens pas ici. Je sens comme quelque chose qui me turlupine. On est bon. Ok, allez, ça s'est touché. Allez, je suis là, Coco. Vas-y, maintenant tu montes. Hein. Je sais que tu me détestes. Maintenant, faut y aller. Hein. Allez, mon pote. Hein. Oh, peut-être que je monte trop haut, allez, vous me dire. Non. Non, c'est pas ça que j'avais prévu. Voilà, c'était plus ça. Jouer les choses comme ça. Impeccable. Mort. Je m'en bats les couilles, je saute totalement. Allez. Allez, 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 allez. Allez, c'est terminé pour le colosse numéro 8. Cette fois-ci, la voix du sage ne va pas parler. Donc, clairement, pas le temps de niaiser, les gars. On n'a pas perdu de temps. Il était assez rapide, celui-ci. Mais il était très sympa, très impressionnant. J'apprécie. Eh, hey, c'est plutôt pas mal les gars, 8ème colosse, c'est fait, clairement pas difficile. C'est ça qui est aussi bien dans le jeu, c'est que le jeu n'a pas spécialement été équilibré. Alors... ou autre. J'ai trouvé par exemple, vous savez le colosse qui devait s'éclater le bras
sur la stèle au milieu, j'ai trouvé plus compliqué que ce lézard. On va l'appeler le lézard. Donc, il n'y a pas vraiment d'équilibre en soi. Tu peux être bloqué dès le début. Voilà. Non, le pire des colosses pour l'instant, dans les 8 premiers, c'était celui où il fallait patienter. Alors lui, quelle tromperie, les amis. Quelle tromperie, c'était terrible. Et c'était le pire de tous. Alors que le 8ème, il est passé plutôt sereinement. Le 7ème aussi. Le guide électrique était plutôt bien passé. Et ça me faisait plaisir. On est reparti. Direction donc le désert, là où les arbres prennent à pousser et un lac asséché. On est parti, on va passer par ici, je pense. En tout cas, c'était bien sympa. J'ai bien aimé celui-ci. Pourquoi on dirait qu'il se fout de ma gueule? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on est parti, les amis, on va traverser tout ça. Oh, vous l'avez déjà vu, est-ce que ça... Non, on va essayer de gagner du temps de vidéo pour pas que ça soit trop long pour vous. Et on est reparti. Allez, on est parti, je pense qu'on s'en rapproche petit à petit. Alors ça me dit que c'est en bas, ça m'inquiète un peu. Je crois que j'ai été sur les hauteurs, peut-être pour rien. Peut-être qu'il fallait trouver un moyen de retourner tout en bas. On va voir, sinon c'est pas grave, hein, je fais une chute, les amis. Hein. Ah bah ça risque d'être terrible, je pense que je mérite, mais bon. Hein, quoique, je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, forcément, les colosses sont de plus en plus éloignés. Et ça fait une sacrée trotte, hein, les gars. Honnêtement, ça fait bien 5 minutes à gambader dans les plaines. Moi, je trouve ça sympa, hein, je trouve ça cool, c'est pas le souci. Mais pour vous, je me doute que, voilà, c'est peut-être pas le truc le plus incroyable que vous attendiez de la part d'un Shadow of the Colossus. Bon, vu qu'on s'en rapproche et qu'on n'est jamais passé par ici, vous vous doutez bien que je préfère garder... Hop, le tournage, vous voyez ça. Ouais, désolé les gars, hein. Oui, il y avait totalement une montagne. Ah gros, on n'est pas con, hein. Bah, il n'y a pas à foncer dedans. Oh là là, ça me paraît bien obscur. Waouh, doucement, Udada. Je l'appelle Dada aussi. Ok. Ok, ah ouais. Ah ouais, c'est carrément, c'est même pas un désert, c'est la sécheresse, c'est un no man's land, c'est... On dirait Fallout 4, les gars. Bon. Ne me demandez pas la suite de Fallout 4 parce que j'en ai parlé dans cette vidéo. Ça risque d'être terrible, je me suis déjà expliqué au sujet de ce jeu qui était très sympa. J'ai vécu une bonne aventure, mais alors attention. Attention les bugs. En gros, attendez, je vais tenter un truc. Oh, c'est mon côté cascadeur les gars, j'ai voulu tenter un petit truc. Allez, on est reparti. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah bah les gars, ça a été... On est reparti, on se retrouve direct devant. Oui bon, c'est bon, j'ai tenté un truc, c'était pas mal. J'ai fait 2 ou 3 saltos arrière quand même. Bon, alors comment vous dire que j'ai dû tout recommencer depuis la cinématique. Ça va m'apprendre. Néanmoins, il y a une petite stèle là. On est juste à côté, hein. Regardez, le No Man's Land est juste derrière. Mais là, il y a une petite stèle. Et je me suis dit que c'était peut-être par ici qu'il fallait passer. On va voir. Je pense pas. Mais qui dit stèle? Il dit peut-être lézard à queue blanche. Et ça me ferait plaisir. Il m'a dit qu'il y avait souvent des lézards à queue blanche autour des stèles. De prix. Ah, c'est à ça qui ressemble. Ah, d'accord. À coup dur pour le joueur franco-taïwanais. Enfin, c'est à ça qui ressemble de derrière. Je sais de devant, mais quand même. D'accord. Par contre, il n'y a pas de lézard à queue blanche. J'ai pris ce que je méritais. Vous croyez que c'est par là? Moi, je pense clairement que c'est par là. Vas-y, viens, gros. Viens, gros, frérot. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est par là. Et peut-être que mon épée m'en dira tout autant. Je pense que c'est par là. Vas-y, Agro, on y va. Hop, c'est bon. Voilà, monte dessus au lieu de toujours l'appeler Agro, c'est chiant. Mais lui, ça doit le saouler. On est parti. Ah, il a pas l'air de vouloir y aller. Allez. Allez, réponds-moi, frérot. Allez, au galop. On y va maintenant, hein. On y va. Ok, c'est parti. Je pense que c'est pas ici. Très clairement, en tout cas, la texture ressemble beaucoup. On peut passer avec le cheval ou pas? La texture ressemble beaucoup au No Man's Land qu'on a vu. De l'autre côté de mon triple salto arrière, multi-récompensé les gars dans les derniers JO d'hiver évidemment. On adore les JO d'hiver. Ok, c'est par ici. On va y aller. Ça peut être pas par ici. Hein. Peut-être pas du tout par ici. Hein. Non, il veut pas accélérer, il veut pas y aller. Mais ça a l'air d'être par ici finalement. Ah, ça a totalement l'air d'être par ici. Ok, c'est pas mal. Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas les amis, je vous avoue que... À l'heure actuelle, je m'en touche le haricot, si je puis me permettre l'expression. C'est pas... Non, je pense pas. Ah, si. Alors, quand c'est blanc, ma lame, je comprends rien. Quand c'est blanc, c'est que je suis dans la bonne direction, les gars. Quelqu'un a la réponse à toutes ces questions? J'ai l'air d'être dans le No Man's Land. Ça a l'air d'être pas ici, hein, quand même. Est-ce que j'ai fait ça pour rien? C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Oh, je vous le dis, hein. On se cache rien maintenant après tant d'années, c'est bizarre. Hein. Non, oh non, vous êtes foutu de ma gueule, putain.
Je vous brûle. Ah non, c'est bon. Ça va, j'ai failli brûler le jeu. Ah, c'était terrible. C'était terrible. Bon, là, c'est le pire colosse à trouver pour l'instant qu'on ait eu. Allez, on y est. C'est par ici. On est dans la... Oh putain, faut aller dans la gueule du bordel, là. Oh là là. Oh là là, je vais pas être prêt. Ok, c'est bien dedans. Ok, il va sortir. Ok. Ok. Il est là, mais monte dessus, connard. Oh mon dieu. Que Jésus me vienne ton aide. Cours, Agro. C'est la merde, hein. C'est la merde, on va essayer de l'amener. Ah putain, les geysers. Mais oui, c'est clair. Ok. Il faut surtout l'amener là-dedans. Allez, viens, mon pote. C'est sûr qu'il faut l'amener là-dedans. Bon, là, il en a foutu plein la gueule, non? Oh, Agro, pour tes grands morts. Agro! Ok. Je l'agresse un petit peu. C'est pas vrai, hein. Aïe! Oh, il m'a mis midlife, ça a été terrible, ça! Avance, frère. Avance. Aïe, 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 aïe! Oh, il m'a... Ah non, non, je suis mort, je suis totalement mort. Je suis totalement mort, à moins d'un miracle. T'es où, Agro, là? Mec, mais va pas aussi loin, frère! Oh, mais les gars, je perds de la vie à rien faire. Mais tire! Tire ta putain de flèche! Agro, cours tes grands morts! Fils de pute! Mais il est... Putain, mais écoute si tu veux pas qu'on crève, bolos! Je suis pas bien. Sale histoire. Sale histoire pour le joueur franco-thaïlandais. C'est bon, j'ai... Incroyable. On va rester la calme. Quoi? C'est une grosse attaque, ça. Ok. Allez, vas-y, le geyser. Allez. Voilà. Ok. C'est bon. Ok. Là, c'est bon, il se retourne. Allez, mon pote. Maintenant, on va monter. Par où? Par où, putain? Par où, putain? Mais il bouge! J'ai pas saisi l'occasion. Ok. Ok, c'est pas mal ça. Ok, c'est pas mal ça. Je sais pas du tout où aller. On va rester là-dessus. Ok. Non. C'est bon. C'est bon, il est où son point faible? Ok, il est là. Il est là.
Aïe. Aïe. Allez mon pote. Ok, c'est bon. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Je reste accroché, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Au bout d'un moment, ça va la comédie, j'ai pris assez tarif. Allez, s'il te plaît, disparais pas. Disparais pas, signe du bonheur. Allez, disparais pas. Je t'aime beaucoup trop. Allez, reste jusqu'au bout. Et c'est terminé pour celui-ci. S'il te plaît, disparais pas. Pas le moment. Allez. Allez, c'est terminé pour le colosse numéro 9. Il était pas évident, mais il a failli nous tuer. Et on aurait dû recommencer depuis la dernière cinématique. Ça aurait été terrible. Ça s'est joué à très très peu sur le coup. Eh bien voilà, nous l'avons les amis, nous l'avons notre serpent, on va l'affronter. Prochain colosse, le numéro 10, ça a l'air d'être un serpent. Je pense que c'est un serpent. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Si cet épisode vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Bisous, ciao.